organisations étudiantes, plusieurs organisations syndicales, plusieurs organisations populaires pour que ça bâle les étudiants. C'est d'abord pour nous dénoncer dictature criminelle Bouddhi, Jovenel, avec toute l'équipe de HHK, Vétabila, avec complicité bourgeoisie nationale, avec mafia internationale là. L'ONU, Américain, OEA et Latrier, pour groupe et Latrier. Pour nous dire, par rapport à danger, question, si tu as représenté le pays, il faut que tout le monde le mette en paix. Pour nous, pour déclarer, le régime là, le projet là. Nous avons dit tout le monde que 7 février 1986, le plateau de l'EKP, contre dictature, était juré. Que plus jamais le pays n'a pas gagné une dictature établie. C'est sans ça. Et nous-mêmes, en dedans diverses organisations qui ont lancé un mouvement qui va faire là-haut, nous pensons que l'important pour que tout le monde lève le campé comme un seul homme, comme une seule femme, pour arriver à bousculer le régime criminel PHTK, Jodel et Atabila. Deuxième objectif pour la presse là, c'est pour nous capables d'annoncer 3 grosses journées de mobilisation, 3 journées de résistance, vendredi 19, dimanche 21, lundi 22. Pour dans tout le pays, pour toute population, toute organisation, dans tout secteur, tout citoyen, pour nous dire non, nous ne sommes pas d'accord avec la question dictatique de la ville là, non, nous ne sommes pas d'accord pour que dans le pays, nous avons un régime criminel qui a pressé le peuple là. Nous ne sommes pas d'accord pour que les paysans livrés dans les mains des criminels, mandat fini, mais qui a fait un coquin, qui voulait pour le mandat, pour que les pressés le peuple là, des volants, des corruptions dans le pays. Sans ça, tout le monde a gagné 3 journées. Bon, nous avons 3 journées de résistance, 19, 21 et 22, et d'attendre tout médecin, agronome, professeur, étudiant, élève, petit machin, mécanicien, tout le monde en général qui va d'accord, c'est qu'avec là, nous avons rendez-vous sur le bétoin pendant 3 jours, 19 février, 21 février, 22 février. Et là, si nous ne sommes pas arrivés comme ça, j'ai la fête là, nous avons dit irresponsable. Et laisse ça, nous avons complice. Jovenel comme criminel, comme population à monter à terre, que lui, pas d'accord avec ça. Et nous, 10 février, 12 février, 14 février, c'est qu'il y a gros marche dans le pays, dans le Parlement en particulier. Et c'est une méga marche dimanche. Et nous avons dit, l'organisation de Mounio, avec toute notre organisation, qui a lancé le marche du 14 là, et que tout est collaboré pour faire. Nous avons tant de sous le vendredi 19, dimanche 21, lundi 22. Parce que ce n'est pas seulement faire une méga manifestation campée, c'est rentrer dans construire le calendrier de mobilisation qui nous permet que nous construisons force, mais notre record, mais comme le journal, nous libérer le pays à rentrer dans l'autre ère pour que le pays nous dans le souffle dans le pays. Donc, nous avons dit que dans ce nouvel-là, il faut gagner solidarité nationale et internationale du fait pour nous arriver à ce niveau-là. Dans le cadre de solidarité internationale, là, donc faut que tous les acteurs soient concertés, renforcés la concertation, travaillent ensemble, ils connaissent les épaules pour nous arriver, gonfler force, pour nous bousculer les régimes là. Et les arts vont gagner l'activité parallèle qu'ils ont faite. La fonction, c'est l'activité et la gagné, la dit résultat que l'on a changé. Donc, nous disons, on le fait encore, l'organisation de la Mounio, toute organisation qui est participée dans le match 14 là, c'est pas un match seulement pour faire, c'est de continuer à participer dans toute l'activité qu'on fait dans le pays, pour libérer le pays, le régime dictatorial, le régime criminel, assassin, PHTK, Jovenel Moïse, voulait et la poursuivre avec là. Dans tout le pays. On a fini pour dire que Julien Jodia, lutte pour les haïtiens, les gagnants et les bénéficiaires de gros
qu'on ait une chaîne de solidarité à l'échelle mondiale. Et ça a fait, grâce à travail, j'ai fait qu'on fait par des ensembles d'organisations. Donc, COBIT, COBIT est lancé le 28 août dernier, nous appelons, dans le cadre nous appelons à la solidarité internationale. Le 28 novembre, nous dévoyons appel là à parler de l'Olotex qui est petit, comprendre la fabrication de la misère et la détresse du peuple haïtien et la nécessité d'une solidarité active, internationale active. Et texte a dit une page qui t'a accordé appel là, en anglais, en espagnol, en portugais, en français et en créole. Au fait, parce que ce texte qui est dans plusieurs langues, ça veut dire que ce texte que tout le monde a été pour lui, et le texte qui nous a écrit, comprendre la fabrication de la misère, la détresse du peuple haïtien, la nécessité d'une solidarité internationale active là, d'expliquer ce qui a passé là de BIA. Crise qu'il a, qui c'est la cause dit, qui complicité et mafia internationale là, qui complicité puissance assez esclavagiste. Qui joue aussi à tous les puissances et imperialistes, qui s'en vient comme complicité en de crise qu'en fait là, qui là, qui ça qui complicité de avec criminels qui n'ont pas pouvoir qu'en ce peuple là, et qui ça qui habite avec nous, qui est dans les côtes historiques qui avec nous, parce que Haïti, c'est bon en liberté, c'est cassé chez l'esclavage, et toute puissance, ancienne puissance et colonialiste, esclavagiste, qui joue aussi à toutes les puissances impérialistes. À mettre ensemble pour tous les pays. Dans ce sens-là, grâce à ce texte-là, il y a de l'âge d'informations qui sont diffusées sur ce qui a passé là. Et un pile militant, un pile intellectuel, un pile universitaire, un pile syndicaliste, un pile organisation de la monde à l'échelle mondiale, au courant de ce qui a passé là. Et suite à appel là, le 28 janvier dernier, nous avons une conférence internationale virtuelle sous crise pays d'Haïti avec cette nécessité pour que nous ayons une véritable solidarité internationale qui établit, qui renforce et de sortir comme là. Et nous avons des retours. Nous avons un pile d'organisation à l'échelle mondiale, un pile prix Nobel de la paix, un pile organisation de la monde, un pile universitaire, un pile intellectuel, un pile artiste qui je veux dire, a protégé. Nous prenons des positions, nous avons une position séparée pour nous, une position plusieurs organisations dans divers pays blancs. Et nous-mêmes, je veux dire, nous avons trois universités qui sont plus grosses aux États-Unis et des facultés de droit dans trois grandes universités. C'est ma position qui nous dit que Jovenel Moïse, c'est un criminel, soit assassin, et qui est Philippe Mandel. Et maintenant, tu as cherché par route détournée pour arriver, qui est le peuple là, dans la classe, dans la dictature, et qu'on s'est resté peuple là. Nous gagnons une conférence des religieux, religieuses, Canada, qui a pris tout d'or pour dire suspend Corée, régime criminel qui est là, et pour une proposition à clair, contre ce qui a passé là en Haïti. Qui donc, ça veut dire que je veux dire, grâce à l'information qui a circulé, elle appelle à la solidarité nationale, les textes là, et sa conférence qui fait 28 et j'ai mis des guerriers, il y a une live diffusion d'informations sur ce qui est en Haïti, qui fait que plus de monde qui va connaître qui c'est comme cela, il y a dit qu'il y a un courant et il y a un protocole. Dans ce sens, la vie de tout le monde en général, nous devons construire la solidarité et renforcer la solidarité nationale là. Et pour demander que tout intellectuel, tout pays, toute organisation qui est déjà impliquée dans la solidarité active, là, peut continuer jusqu'à ce que nous arrivions rapidement dans notre record, mais comme le Jovenel et le pays là, là nous souffre. Nous avons fini pour dire que samedi, a bien intervenu Romario. Romario, c'est journaliste stagiaire si là, qui est au débat, l'Iran sang, et finalement, Libouri, qui a fait finir à samedi prochain, nous mettons toute population en net pour protéger, pour solidarité, il faut ça. Et nous gagnons, nous voyons tout, c'est parti nous, parents, camarades, et Ronald Dufresne, chauffeur de moto ça, que Bandi PHK voulait à tout côté, dimanche 14 là, et là tout le monde, pour que ça aussi se passe dans le pays, nous devons
dans tout pays, les mécanismes. Pour nous, nous avons le coup de PHTK, le coup Jovenel, Jout, Agenda, tout assassin PHTK, nous avons carrément le souffle. Donc, dans ce sens, nous avons tout le monde. C'est la mobilisation en permanence. Si vous faites ça, nous avons le fois encore, toute organisation doit pour nous. L'organisation qui était participé dans la marche, 14 janvier, pour nous continuer et sous le tour, le 19, le 21, le 22, pour nous attendre pour nous arriver à bousculer l'utile là. Superbe conférence à la barre de l'école de la supérieure. Il a presque remercié tout parce que toujours accompagné, masse exploitée dans le moment où il a revendiqué. Mon égard, c'est Gramsci, c'est Janine, Combi, les Sympa, Coépa et la Trier. Mais sont ensemble organisation progressiste, organisation syndicale, avec organisation populaire qui mettaient ensemble pour ma conférence ça. Pour nous non seulement dénoncer dictature, mais tout pour nous montrer comment on a continué à mobiliser pour nous combattre Jovenel Moïse comme ancien président équipé qui n'est pas dictature et à battre. On a dit dictature ça, nous-mêmes qui se tient dans mon regard, le quartier populaire nous comprend. Ce dictature féroce, un dictature joie, qui peut tenir un rôle, qui chahier un rôle, démocratie bourgeoise. Dans la démocratie bourgeoise, nous prenons clair coup de nos comptes qui s'alpotent. Dans la démocratie bourgeoise, nous jouons 60 de privatisation, de l'avantage social, nous-mêmes comme monde, nous-mêmes comme peuple. Nous avons besoin de nous prévenir. Tant pour accès à l'eau potable, accès à l'éducation, les droits au logement, les droits à la nourriture, les droits à l'éducation, droits pour jeunes routes, nous prévenir. Ça, c'est la première phase. En tant que démocratie bourgeoise, qui est le premier aspect, qui soit la dictature bourgeoise. Et deuxième phase, là, c'est la fascisation de l'État. Côté l'État fait exécution. Persécution politique, intimidation, répression. Côté nous-mêmes comme militants, qui ont une position claire contre un système pourrissanti, un système criminel, un système phobie, pour ne pas avoir des résultats, nous n'avons pas besoin, nous voulons tuer nous. Il y a persécuté nous, il y a fait nous peur, et toute militaire révolutionnaire, dans le devant peur, il y a fait paix à paix, parce que nous n'avons pas besoin de paix. Petit matin dans le Valébé, parce que nous avons le monde qui a fait un grand monde derrière nous. Et pour être ça, nous sommes Jovenel, comme ancien président qui fait de la prison. Et bien, nous sommes fascistes de l'État dans la démocratie bourgeoise, qui sont dans la dictature bourgeoise, quand on est, pendant la manifestée, ils ont assassiné Kamal Frère Lounan Solino dans le Front National Laïda. Quand on est officiel, ils ont brûlé dans le 1995. Et bien nous dit, nous devons comprendre nous dans la démocratie bourgeoise. Nous devons comprendre nous dans la dictature bourgeoise. Ça va faire nous faire bac. Ça va faire nous perdre. Parce que Jovenel Moïse, comme criminel, comme équipé, et pays à Lisbonne qui a supporté OEA, Kogou, Binu. Jovenel Von, toute richesse pays à la bourgeoise. Pas un pays à Lisbonne. Donc, on monte à quoi dit à peine. Côté Jovenel Moïse, 8000 hectares de terre, dans trois départements, tes paysans ont produit manger. Agriculture paysanne, pendant que Jovenel a parlé de l'agriculture, il a parlé, mais nous avons une action, et deux bagages différents. C'est grâce à l'agriculture paysanne. La baille, compagnie multinationale de terre, la baille, appel de terre, pendant que Jovenel a exclu les paysans. Jovenel a mis les paysans au dehors, pendant que bourgeois, la ville plus riche, et ça, la démocratie bourgeoise fait, oui. Différents gens qui sont riches, plus riches. Gens qui sont pauvres, ville plus pauvre. Pendant, appel à la plainte de Trivia, pour Coca-Cola, pendant nous-mêmes, ils crassent la vie qui sur nous. Mais ça, la démocratie bourgeoise. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec la démocratie bourgeoise. Nous besoin de démocratie populaire, participative. Pour toutes les choses, nous pouvons fouler le macadam, non. Et nous continuons à fouler le macadam, non. Pour nous dire non à la dictature féroce, vive. Démocratie populaire participative, vive une transition populaire qui peut jeter base pour l'autre État, pour l'autre société. Côté de ça, nous-mêmes qui sommes,
n'a pas capable de vivre dans le monde, tout mauvais. Parce que sous le régime de HTK, tout haïtien a vivre, tout mourir. Si tout nous-mêmes nous sommes exploités, déjà, il massacre nous. Jovenel Moïse, comme chef massacré, il fait massacre d'État à la Saline, massacre d'État à Tokyo, massacre d'État à Grave, Nouvelle Nationale. Eh bien, c'est la démocratie bourgeoise. C'est kidnapping d'État. Côté kidnapper une petite demoiselle là, tout le monde est comme ça récemment là. Non seulement kidnapper, ils ont tué, ils ont sacrifié. Eh bien, nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec le dictateur qui a kidnappé nous, qui a massacré nous, qui a fusillé nous. Eh bien, qui prive nous de tout droit, la liberté d'expression, droit pour nous parler, droit pour nous revendiquer, pour nous dire qu'on ne peut pas manger. Et nous sommes où nous devons vivre. Eh bien, nous allons être à ça. Sur le terrain populaire, on est un petit peuple. Jovenel Moïse, pas dirigé pour les pays ici. C'est pour les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France. Eh bien, si on reste avec, si on tue, nous disons vendredi après la RIA, dimanche après la RIA, lundi après la RIA, et on continue après la RIA jusqu'à ce qu'on combatte. Et à part Jovenel, comme un si président criminel pour nous voler l'État populaire, en transition populaire, il a dit toute population ouvrière, si machin, si pays de santé, si nous m'apprenons l'arrière pour nous, parce que Jovenel Moïse fait 5 masses exploités, retourner 10 pays préférés, c'est livré pour chaque jour. On combat lui, on abat lui pour nous voler l'État populaire qui va jeter base pour notre société.